salut à tous, c'est Victor. Oui, vous ne rêvez pas, je suis bien de retour sur YouTube. Non, je n'avais pas arrêté définitivement, mais j'avais fait un petit stop, baccalauréat oblige. Bon, vu que maintenant, on sait, nous savons, tu sais que le bac se déroule du moins les 85% en contrôle continu, donc j'ai un peu plus de temps pour produire des vidéos et de ce fait, produire donc des LMQF VLT, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas, ils vont bientôt sortir. Je me garde un petit peu de temps pour en produire en grande quantité et en avoir assez pour vous les proposer rapidement sur YouTube. Là, si on se retrouve, c'est donc pas pour un LMQF VLT, pas pour parler vélo, pas pour parler matériel, ni quoi que ce soit. On va parler collection, oui. Parce que j'ai vu que cette rubrique collection, ces vidéos collection, vous plaisent énormément. Donc pourquoi pas refaire une autre vidéo collection, sachant que j'ai reçu d'autres objets. Et j'ai oublié le principal, vous êtes prêts? C'est parti. Bon, avant toute chose, voilà, les objets que j'ai reçus, ils sont là. Je vous rappelle qu'il y a d'autres vidéos qui sont disponibles. J'ai fait donc 2 vidéos, là c'est la 3e sur la collection. Et donc j'ai très très hâte de vous montrer tout ça, étant donné que j'en ai reçu des nouveaux. On va commencer par les petites pièces. Alors quand je dis petites pièces, je parle de ce qui est gants, ce qui est chaussettes, ce qui est petits accessoires. Avant de terminer par les maillots et de terminer par les bidons qui sont là. Et il y a, oui, il y a lui là-bas et lui là-bas. Oh, j'ai hâte de vous montrer ça. Alors, je vais donc commencer par quelque chose qui me tient à cœur pour l'instant. Qui me tient à cœur en général, le cyclisme féminin. Oui, on ne s'y penche pas suffisamment, mais il faudrait peut-être s'y intéresser. Je remercie encore une fois les coureuses, on va dire les coureuses de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, avec qui j'ai eu de très très bons contacts et de très très bons liens pour établir... ces échanges entre les coureurs et donc les supporters. Donc, j'ai reçu une paire de gants de Stine Borgli, la coureuse, vous dites comme vous voulez, de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Voilà, les gants, j'en ai fait tomber un. Voilà, gants FDJ, Poly, hein, la marque Poly, leur équipementier, avec marqué bien sûr SB, donc les initiales du coureur à l'intérieur. Stine Borgli m'a aussi envoyé gentiment une petite paire de chaussettes, Lycra, on ne dit pas non à une paire de chaussettes Lycra. Donc ça, elle me vend pas, mais bon, je vais essayer de maigrir du pied, on va essayer de voir si ça peut faire le... Ça fait le job, voilà, petite paire de chaussettes Lycra. Honnêtement, je les trouve magnifiques. Je les trouve magnifiques, donc bien sûr, elles ne sont pas commercialisées, c'est des produits réservés aux coureurs. Donc une gamme course, Lycra, ça c'est vraiment des genres de chaussettes que j'adore. Bon, elles sont un peu trop petites, je suis un peu dégoûté, mais en tout cas, je les garde, ça peut toujours servir. Ensuite, j'ai reçu une autre paire de gants, mais cette fois-ci d'une coureuse. Je vais pas m'y faire, hein. Je vais dire coureur, parce que on va m'insulter dans les commentaires. Oui, c'est pas français, nanana, donc on va dire coureur. Jadiel, l'ex-championne de France, Jadiel, qui m'a envoyé une petite paire de gants, donc c'est les mêmes, hein. JW, les initiales de Jadiel, ici en haut. C'est la même paire de gants, hein, c'est exactement les mêmes, sauf que du coup, eux, je les garde parce qu'ils sont neufs et je vais porter les gants de Stine Borgli. Oui, parce que bien qu'ils ont des petites mains, moi, ils me vont et c'est le principal. Alors, Jadiel m'a aussi envoyé quelque chose d'autre, mais c'est dans l'aspect maillot, donc on va le garder sur le côté pour l'instant et on déballera ça après. Là, je vais vous présenter un coureur de Total Direct Energy qui m'a envoyé ses manchettes. Alors, il m'a envoyé manchettes, maillot, cuissard, casquette, gants et chaussettes. Donc, toute la tenue Total Direct Energy. J'ai pas pu garder malheureusement le maillot et le cuissard parce qu'il ne me va pas. Valentin Ferron, c'est du XS, je suis en LXL, donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas pu le garder malheureusement. Bon, en tout cas, j'ai gardé vraiment ces petits accessoires, donc les manchettes, les casquettes, les gants et les manchettes. Voilà, donc Total Direct Energy de chez Nalini. Et à l'intérieur, si vous débutez en collection, si vous êtes intéressé par la collection, pensez à regarder l'intérieur, vous voyez, Ferron. Là, on a le nom du coureur à l'intérieur dans les manchettes, ce qui prouve bien que c'était donc du stock coureur. Et ça, c'est très important si vous faites de la collection. Regardez bien quand on vous dit que c'est issu d'un coureur, s'il y a le nom à l'intérieur. Donc, quand je disais qu'il m'a envoyé ses gants, on a aussi du coup les gants profilés Evo de Total Direct Energy, donc de Valentin Ferron. Vous voyez, c'est marqué en haut, même dans le paquetage chez Nalini. Donc, on va ouvrir ça, je vous montrer un peu comment ils sont faits. Donc, pareil, ça c'est non commercialisé, on est encore une fois sur de la gamme coureur, avec bien sûr, comme je vous disais, le nom du coureur à l'intérieur. Vous voyez que les gants là ils sont neufs, ils ne sont pas utilisés. Voilà, Ferron S, malheureusement ils sont un peu trop petits, mais je vais les garder parce que voilà, c'est toujours sympa d'avoir une petite paire de gants
Voilà, total, juste pour faire joli dans le dressing. Pour rester dans une catégorie de paires de gants, on va maintenant passer à quelque chose qui est encadré. Il y a deux objets qui sont encadrés, je vais vous les montrer. Ça, c'est les gants de Stéphane Rossetto, de Cofidis, voilà. Donc moi, j'ai décidé de l'encadrer, donc à l'intérieur, vous vous doutez bien qu'il y a le nom du coureur à l'intérieur. Moi, j'ai mis ma petite photo que j'avais prise au Tour Poitou-Charentes, voilà, je l'ai encadré. Les gants de Stéphane Rossetto, je le remercie encore une fois, il m'a aussi envoyé une petite carte, je vous montrerai ça après. Maintenant on va passer sur une paire de gants un peu plus, un niveau un peu plus élevé. Je remercie encore une fois Sport Report, hein, Hugo que vous connaissez bien sûr sur YouTube, qui me les a offerts pour l'anniversaire. Voilà les gants de Alexander Christophe, hein, de l'ex-champion d'Europe, Alexander Christophe, les petits gants profilés. Comme vous voyez, on est sur une gamme profilée de gants aéro. La petite photo bien sûr pour illustrer tout ça. Voilà les gants profilés de Alexander Christophe. C'est de la collection et c'est posé sur le meuble. Avant de passer au maillot, c'est ce qui m'intéresse le plus, on va passer à quelque chose qui est satisfaisant à porter et qui, je remercie aussi le coureur de me l'avoir vendu celui-ci, c'est le casque de Knin Quickstep de Ilio Keisse. Vous voyez, il y a le nom juste ici, là je vais arriver à cadrer, on va faire la petite mise au point, voilà, Ilio Keisse, vous voyez là, voilà, Ilio Keisse, donc le prévail de Ilio Keisse, donc autant dire que moi je le porte. Voilà, je le porte, les coéquipiers, Hugo, tout le monde peuvent témoigner, je le porte. Et voilà, c'est une pièce de collection, mais à la fois qu'on peut porter. Pareil, les maillots, tout ça, je les aurais bien portés, mais malheureusement, les coureurs qu'on connaît, ça se situe entre XS et M. Donc c'est assez compliqué de trouver du L ou du XL dans le peloton professionnel. Donc le casque de Ilio Keisse, voilà, je le remercie encore une fois de me l'avoir vendu, et puis c'est super cool. Je sais, il y a les maillots qui sont juste là, on va y venir, on va donc venir au maillot, on va commencer du coup doucement pour finir assez haut. Donc j'ai ici, oula si j'embarque tout ça va pas le faire, le chasuble de Marie Lenette, un coureur chez FD Junior avec Guitaine Futuroscope. Voilà le petit chasuble, lui par contre je peux le porter, ça qui est cool, petit chasuble. En vrai j'adore leurs couleurs, j'adore les coloris, j'adore tout ça, vous voyez là il y a même le... Il y a même son... Elle a mis son nom à l'intérieur, alors attendez, on va faire ça. Voilà, on va retirer ce cintre moche. Et voilà, vous voyez là le nom Marie, enfin du coup le net à l'intérieur, donc petit chasuble de la marque Poly et de l'équipe Nouvelle Aquitaine Futuroscope. Une équipe vraiment très très abordable et ça fait vraiment plaisir de soutenir le cyclisme féminin. Et il est génial, moi je l'aime bien. Pour rester dans la gamme Nouvelle Aquitaine Futuroscope, je vous avais dit que Jadvienne m'avait aussi envoyé les gants et les gants et autre chose, voilà. Elle m'a envoyé du coup sa combinaison route profilée, pareil, de contre-la-montre, été, vous voyez, la petite poche radio qui est juste ici, là on peut la distinguer ici, la poche radio. Donc on est sur une combi contre-la-montre, il n'y a pas les poches à l'arrière. Mais voilà, elle est neuve, une combi de contre-la-montre de Jadvienne, l'ex-championne de France 2019. Donc voilà, ça c'est vraiment une superbe pièce que je vais garder parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir la combinaison de l'ex-championne de France. Ensuite, j'ai reçu récemment, donc il y a un peu plus de 3 semaines, le petit chasuble, pareil, chasuble demi-saison de Jos Van Emden, Jumbo Visma. Voilà, donc c'est un chasuble, j'aime bien leur coloris à Jumbo, c'est pour ça que je voulais absolument avoir un truc Jumbo cette année parce que j'aime bien l'avoir la bande comme ça là. Donc voilà, des nouveaux sponsors, Emma, Better, tout ça. Derrière forcément les petites poches, donc on part sur le chasuble style pro détaillé, pro race machin. Et avec bien sûr, comme je vous disais, la petite étiquette à l'intérieur qui montre que le... Oula, voilà. Elle est découpée par contre, je sais pas pourquoi, que c'était bien au coureur, donc Van Emden, le numéro 16 de l'équipe Jumbo-Visma. Alors là, on va arriver à une gamme un peu plus haut déjà. On va toucher à des maillots un petit peu. Bah vous l'avez vu, bon bah voilà. Alors j'ai donc le maillot de Sylvain Dillier, hein, l'ex-champion de Suisse avec ses petits liserés ici. Donc voilà, H2R la mondiale, on rappelle que Sylvain Dillier est désormais chez Alpecin Phoenix et qu'il est tombé au Kurn Bruxelles Kurn. Au Kurn Bruxelles Kurn, voilà, donc on lui souhaite bon rétablissement, la clavicule cassée malheureusement. Donc voilà, la petite signature qui fait vraiment plaisir, ça c'est vraiment un coureur que j'apprécie énormément, il y a des bons contacts, tout ça. Donc on rappelle évidemment à l'intérieur, voilà, le petit nom du coureur, Dillier, en taille. En taille M, Sylvain Dillier. En fait c'est un maillot court, mais qui s'agence un petit peu plus chaud à l'intérieur, c'est un peu molletonné, vous voyez. Donc ça, généralement, c'est ce qu'il porte là, dans ces temps-là, au mois de février, début mars, le maillot de Sylvain Dillier. Continue dans la catégorie maillot avant de vous montrer ceux qui sont encadrés, là, les deux maillots
que j'ai encadré ici. Là, j'ai reçu le maillot protocolaire de Sergio Higuita du Paris-Nice 2020. Donc, c'est la dernière édition du Paris-Nice 2020. On peut voir donc ici, on va y arriver, 2020. Voilà, le coq sportif Puget, sponsorisé par Puget. Donc, un maillot protocolaire, on rappelle, ça ne se porte pas. C'est un protocole sur le podium. Voilà, derrière la petite fermeture éclair, bien sûr, en taille L, mais ça, on s'en fout vu que c'est un maillot protocolaire. Donc c'est vraiment un plaisir d'avoir de retrouver un maillot protocolaire, surtout de IF Education First, on rappelle, les maillots les plus chers du peloton. Bon, on en a fini pour les maillots et les gants et les accessoires qui sont ici. Désormais, je vais vous montrer ce qui est au mur et les bidons. Donc, pour les bidons ici, vous connaissez à peu près tout, vu qu'on était passé par là pour durant la première vidéo de mémoire. On va monter un petit peu plus haut sur l'étage 2020. Donc j'ai acquis le bidon d'Egan Bernal, c'était à la route d'Occitanie, c'était le finish. Ça, le bidon de la FDJ Malakai Futuroscope, parce que j'ai eu la chance d'aller à leur siège à Genève-Marinis. Ils ont fait vraiment un superbe siège social, un superbe service course. On va monter un petit peu plus haut pour une gamme de collection, donc un peu plus haut là je vais lever la caméra. Le bidon rose spécial de Filippo Ganna qui a été fait lors du Giro 2020. Le bidon noir grenadier et le bidon blanc du Tour de France. A droite, nous avons le bidon de Tadej Pogacar qui a gagné le Tour de France 2020. Et ici, le bidon de l'équipe normale. En haut, ici, le bidon Vital Concept, forcément, et un autre Vital Concept. Donc voilà, ici, on est sur le coin des bidons. Et bien sûr, le maillot de Sagan, toujours encadré, toujours ici. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, les petites cartes qu'envoient les coureurs. Donc Sylvain Gilly m'avait gentiment envoyé une petite carte ici. Ça, c'est Sport Report Émile Liépine. Jos van Denden ici qui m'a renvoyé une carte. Stéphane Rossetto, vous voyez, pour Victor amicalement, avec sa petite signature, la mise au point. Marie Lenette qui m'avait aussi envoyé une carte. Valentin Ferron, pareil. Ilio Kaisse aussi. Jadviel, du coup, ici. Stine Borgli qui est là-haut. Et je vais me décaler un petit peu. Jos van Denden de cette année. Et j'ai du coup encadré le maillot de Maximilian Schachmann. Je vais y arriver, le vainqueur du Paris-Nice 2020. Donc on peut le voir ici, oula, bonjour, oui, je suis là, coucou, de Paris-Nice 2020, on va y arriver, la mise au point, voilà, donc maillot jaune, il n'y a pas le flocage, étant donné que ça c'est un maillot spécial pour les partenaires, voilà, mais j'ai réussi à l'avoir, donc la petite signature qui est juste ici, et ça, ça fait plaisir d'avoir un maillot de leader à côté de Tom Dumoulin. Arrivé le maillot de Guillaume Martin, voilà, Guillaume Martin, vraiment superbe maillot, avec ses dossards du Tour de France 2020, forcément, vu qu'il a couru la dernière édition avec l'équipe Cofidis, on rappelle qu'il était 3ème du classement général à Orsières Merlette. Donc voilà, le maillot de Guillaume Martin, je suis plutôt fier de l'avoir, c'est un super maillot. Et derrière, en fait, de l'autre côté, il y a la signature de toute l'équipe Cofidis. Voilà, je rappelle que vous pouvez retrouver toutes mes pièces collection sur mon Instagram qui est dans la description, mon Instagram de collection. Voilà, le maillot de Guillaume Martin avec les petits dossards. Bon, et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que toutes les pièces que je vous ai présentées vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous invite fortement aussi, si vous êtes curieux, à aller check mon compte Instagram de collection qui est dans la description. Quant à moi, j'espère vous retrouver très très rapidement sur YouTube avec un LMQF VLT, avec cette série qui me tient particulièrement à cœur, mais aussi des vidéos comme celle-ci, faites un petit peu comme ça, tiens, je prends la caméra et je lance. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu, et moi j'ai plus qu'à vous dire, bonne route à vous.